par les cavaliers, entre autres pour cela également, pour une organisation qui est généralement unanimement saluée. Alors, on a Philippe Putala à présent au départ. Philippe Putala qui monte Vancouver. Philippe Putala qu'on voit souvent sur les plus gros tours avec son étalon Wessam Perret, avec lequel il a remporté il y a 3 semaines le Grand Prix du CRC 3 étoiles de Grand Montana. Et là, il monte Vancouver. C'est un cheval qu'il monte depuis très très peu de temps. 2 semaines. On a vu une faute là, une petite faute. Deuxième, un peu plus grosse faute à l'entrée de ce triple. Et la sortie également. Mais il y a, quand un cavalier et un cheval, surtout à ce niveau-là, hein, se rencontrent, il faut souvent quelques semaines, voire quelques mois, pour que les deux apprennent à se connaître. C'est pas forcément extrêmement grave ce qui est en train de se passer là, même si le score devient lourd. C'est aussi comme ça que les couples se forment. Un petit peu comme dans la vie humaine. On termine avec 16 points. Et 68 secondes 51 centièmes pour Philippe Putala de Vancouver.